bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 évidemment de notre aventure sur Callisto. Tout va bien, tout va bien. Sur Callisto Protocol. Ok, hop, esquive. Ok, et ça commence plutôt Allez, on va s'injecter, tu connais. Voilà, un petit peu de Jet 27 dans les... dans les veines. Y a rien de mieux, frérot. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, c'était sûr. Ok. Comment c'est chiant, votre histoire. Ok. Ok. Oh. Bon, attends, courir, hein. J'arrive, Bubiche. Let's go. Connu avant lui, c'est quand même assez incroyable. Hé, hey, Danny, qu'est-ce qu'on fait ici? Je dois juste le voir de mes propres yeux. Ok. Danny, tu vas où, merde? Bah dans le vaisseau, elle doit le voir de ses propres yeux, elle a dit, faut écouter, hein. Mais c'est quoi, on transporte? Qu'est-ce qu'on pouvait transporter? La première cinématique, il me semble pas avoir croisé des trucs totalement foufou. Voilà, il y a le frérot qui est dead. Ah, ils ont enlevé son corps, c'est plutôt sympa. Danny, t'es où? Site du crash. Ça, je prends, hein, mon pote, un peu de santé. Un peu de santé pour les braves. Ok. Max Barrow. Ok, on va écouter Max Barrow, qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-ci encore. Léa, c'est Max. J'ai besoin de ton aide. Vu les images, ce pauvre gamin. J'essaie d'en parler avec Jacob, mais c'est comme s'il voulait pas écouter. Allez, la cargaison est chargée. On fait les dernières vérifications. Ça peut pas être une coïncidence. Je dois découvrir ce qui se passe vraiment. On se reparle vite. Ok. Je t'ai vu, mon petit pote. Oh, je suis con, j'aurais dû revendre. Ah ouais, mais je suis une teub. Il y avait une forge, j'aurais dû revendre. Ok, ça je prends. Un peu d'argent pour les braves. Les toilettes. Que dalle. Ah. On va peut-être éviter de tomber, je sais pas, vous en pensez quoi? On va prendre des chemins moyennement sûrs. Attends, quoi? Qu'est-ce que c'est? Ok, c'est... des crédits, on prend. Donc, je suppose que je vais devoir me barrer de ce merdier. Là, il n'y a rien. Il y a des sortes de trucs qui ressemblent quand même à des grandes cages en vrai. Hein. Tout est faisable. Ah, elle a trouvé. C'est quoi ça? Un sarcophage ou quoi? Michel? Hey, qu'est-ce que tu fais? Y'a quoi là-dedans? Du matos médical? Connerie! Ouvre!
Pourquoi ? Parce que je le dis. On n'ira nulle part tant que tu l'auras pas fait. Ok, d'accord. Quoi ? Ouais, comme je te l'avais dit. Mais les archives indiquent que t'as fait plusieurs livraisons avant l'incident. Oui, moi, une douzaine d'autres vaisseaux de transport. Essaie pas de me baratiner ! Je sais très bien que t'es impliqué ! J'ai rien à voir avec ce qui s'est passé sur Europe ! Wow ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Cet implant me fait perdre la tête. Ça n'a aucun sens. Mais je vais découvrir la vérité. En attendant, tu ferais mieux de te ressaisir. Quelqu'un doit nous piloter hors d'ici. Allez, on y va. Ok. Bon, très bizarre. Par ici. Suivre Danny. Alors, okay, qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? Une arme biologique de l'UJC. On l'a suivie depuis Europe jusqu'ici. Jusqu'à mon vaisseau? C'est ce que je croyais. Encore une histoire d'armes biologiques. Prépare-toi. Je suis prêt, bordel. Jamais été aussi prêt. Oh non, c'est bon, je suis pas prêt. Attendez, les gars. Ok. Ok. Je suis pas si prêt que ça. Ok, un décodeur. Ça va, Bibiche? Tu cherches quoi? Ok. Ah! Ah! J'aime bien! Sergent Scott! Sergent Scott, 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 où es-tu? Tu es là! Qu'est-ce que t'as foutu? J'en sais rien, mon autorisation devrait fonctionner! Le système la refuse. Non, attendez, j'ai le commandant de cette unité. Annulez l'opération. On est des gardes. Annulez. Mort. Très bien. Les nouvelles sont bonnes. Quoi? Attends, j'ai explosé un coffre, y a pas de bonus? Vraiment les gars, vous m'avez chié dessus là? Bizarre, hein. Bizarre, bizarre. Encore une histoire qui tourne en queue de bourrique. Ok. En tant que directeur de Black Iron, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à Callisto. Vous êtes arrivé à un moment exaltant. La naissance d'un nouveau futur encore plus brillant. Allez, viens, Bichette. Je sais pas ce qui nous attend, mais ça nous attend. Allez. C'est bon, on me pousse pas non plus. Pourquoi t'as fait ça, Elias? Je me dépêchais. J'ai pas eu le temps de transférer les données. J'ai besoin de savoir tout ce que je peux sur ce qui se passe ici. Mais tu l'as juste arraché. Comme si t'avais pas déjà fait la même chose. Pas quelqu'un que je connais. Tu le connaissais pas. Tu l'utilisais juste pour t'échapper. Je pose beaucoup trop de questions. Allez, on avance. Ok. Le vaisseau est en orbite. Je vais activer l'appel à distance. Bon, évidemment, il va m'utiliser pour aller faire des quêtes. Je vais prendre l'ascenseur dans la pièce d'à côté, jusqu'au pont d'atterrissage. Voilà. Ouais, c'est de là qu'on l'a fait coller. Je m'en souviens. Ah. Je m'occupe de la force. Ok. On va checker le nombre de balles quand même. Mais je pense en avoir beaucoup. 8, 9. Ok. Attendez. J'aimerais checker un dernier truc. Ça, on peut peut-être le dégager. Eh, vas-y, rien à foutre. Au diable l'avarice, les gars.
On a quasi tout fait avec des munitions. On va tout faire avec. Quoi ? Regarde tous ces cadavres. Maintenant, je tue tout le monde. À mon avis, quelqu'un essaye de couvrir ce qui se passe ici. Merci Einstein. Ça va prendre un peu de temps. Jette un œil dans le coin. Essaye de trouver quelque chose. Ok. Docteur Caitlin Mather. Elle est là. Let's go, on a le dernier. Qu'est-ce qu'on peut bien préparer ? Des spécimens chargés dans des conteneurs gamma 2 modifiés. Ah bah tu changes vite d'avis, Bichette, alors. Suive Dany, bah tu vas attendre Dany. Ok. Très bien, inventaire plein, ça m'arrange. Y'a rien d'autre ? Ok. Il me faut une forge et j'ai oublié de vendre 2-3 trucs. Ça c'est terrible, c'est de ma faute, je ne peux m'en prendre, évidemment, qu'à moi, let's go. Allez, une forge là, s'il vous plaît, là. On pense quoi, Bichette, toi ? Petite forge. De quoi forger ? On forge en devenant forgeron. Bah oui, ne me regarde pas comme ça, je sais. Presque. Ouais, on dirait bien. J'aurais pas pu le faire sans ton aide. Je sais. T'as pas l'air trop surprise. Comment ça ? Tout ce qui se passe ici, peu importe ce que c'est. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Sur Europe. Ah. Et Europe ? Le reporter a dit que t'étais responsable. La propagande de l'UJC. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Un peu comme moi et cette cargaison que tu pensais que je transportais. Peut-être. J'aimerais bien. T'es en train de dire que les médias déforment... Non, quand même. S'il vous plaît. Ne franchissons pas des caps politiques comme celui-ci. Ok. Dans le tuyau, 5 sur 5. Le voilà. On a 2 minutes. Juste à temps. C'est beaucoup plus gros que mon ancien vaisseau. Tu penses pouvoir le piloter ? Je pilote ce que tu veux pour foutre le camp d'ici. Hey, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas moi. Et chacun doit apprendre à accepter ce qu'il ne peut pas contrôler. Il a dit oui, mais les sous-titres, c'est non. Alors, les gars, voyez, faut se mettre d'accord. Je suis impressionné que vous soyez arrivé jusqu'ici. Vous aviez peut-être du potentiel, après tout. Monsieur Lee, Mademoiselle Nakamura, votre voyage a dû vous sembler long. Depuis Europe. Qu'est-ce que vous dites ? Mais j'ai bien peur que les enjeux soient trop élevés. Le protocole ne peut pas être rompu. Même si votre histoire se termine ici, sachez que vous avez mon respect. Attendez. Non ! Non ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Jacob ! Mais non, mais j'ai appuyé sur quoi ? C'est nimp. Ok. Mais là, il va se passer quoi là? On va bien voulu refaire la scène, voir ce qui se passait. Bourdon. Ah, j'ai eu la réponse. Ok, c'était très agréable. On explose. Ok. Attendez, parce que j'ai peur d'être un peu débile. Hein. Oh la vache. Ah d'accord. Ok. Bon, il y avait plein de possibilités. Par contre, j'atterris au deuxième étage. Bon, je pense qu'en fait, ça mène tous au même endroit. Mais j'aurais pu attraper sa main. Mais il se serait passé quoi? What the fuck, les amis? J'ai perdu mon masque.
Danny. Danny? Bon, on s'y attendait tous, je pense. En dessous. Jacob! 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 Allez, on doit y aller! Rouille, ça continue de tomber! Bon, en fait, attraper sa main, ça permettait de pas mourir dès le début en esquivant les débris. Voilà, tout simplement, ça évitait la scène de la chute. Mais ça revient exactement au même endroit, je pense. J'en sais rien. Attends, une seconde. La console est toujours active. Oh merde. Quoi ? C'est Arkas. C'est quoi ça ? Arkas, la première colonie. Celle sur laquelle la prison a été construite. Il y a un ascenseur pas loin d'ici. On peut le prendre jusqu'au centre de transport et puis traverser la colonie pour retourner à Black Iron. Quoi, y retourner ? Non, y a pas moyen. On a failli crever juste pour essayer de sortir de Black. On n'est plus là pour s'échapper, Jacob. Alors pourquoi ? Plus maintenant. Pourquoi on est là ? Des réponses ! Pourquoi le directeur vient d'abattre un de ses vaisseaux ? J'en sais rien. Et c'est quoi le putain de lien avec Europe ? C'était censé être juste un autre contrat. Mais ça, c'est du délire. Je sais. Mais est-ce qu'on a un autre choix ? Allez, viens. Cette zone n'est pas sûre. Sans déconner ! Ok. Petite forge, les gars, s'il vous plaît. Suivre Danny. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la première colonie ? Abandonné. Tout comme le reste de Callisto. Jusqu'à ce qu'ils construisent une prison. L'UJC doit bien gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre, non ? Rien à péter, je vais fouiller. Moi, j'ai rien à foutre de vous, les gars. Là, tu me sors des plans. Toi, tu connais tout de la prison. C'est la première fois que tu viens d'arriver. Comment ça, se foutre de ma gueule ? Et je suis arrivé qu'hier, hein, on l'oublie pas, ça. Il y a une ou deux nuits maximum qui sont passées. Hein. Bon, on a retiré nos masques, notez-le. Nota bene, comme on dit dans le milieu. Ok. Surprenant qu'il y a encore du courant. Ces vieux générateurs de fusion ont été construits pour durer. Ah. On dirait que le hangar est toujours en train de s'effondrer. L'ascenseur devrait être droit devant. Attends, je prends des raccourcis, j'en ai rien à péter. Parce que regarde ce qui brille là-haut, bichette. Et ouais, ça tu t'y attendais pas. Des crédits Callisto. Oh la vache. Ok, y a rien. Oh. Excusez-moi. Écoutez, on va lâcher quoi ? On va lâcher quoi ? C'est la question que la France se pose. C'est la même chose. Incroyable. C'est exactement la même chose. Il nous faut une putain de forge, par contre, s'il vous plaît. Parce que là, c'est vraiment très relou. Je sais bien que j'aurais pu me faire une place de plus, mais là, faut pas abuser, d'accord? Donc, on y va, on trouve une forge. Et on se dépêche, hein. Ça commence à m'énerver, moi, toutes ces conneries, hein. Ok. J'espère que ton plan va pas nous tuer tous les deux. Oh. Ça a l'air ok pour l'instant. C'est de pire en pire. On devrait se dépêcher. Allez, sans déconner. Trace cousine. C'est ici, c'est ça ? Ouais. Mais je vois pas l'ascenseur. J'espérais qu'on aurait de la chance. Mais cet endroit tombe en ruine. Il doit y avoir un autre moyen de descendre.
Alors trouvons-le. Allez, viens. Bizarre, là, la vue. J'étais en vue depuis mon genou, frère. Ok. Bon, je me sens un petit peu plus sécure à deux, quand même. La vie est toujours plus belle à deux. Vivez à deux, vivez heureux. Bon, je suppose qu'elle va pas tarder à me lâcher, à mon avis. Soit mourir dans d'atroces souffrances, soit elle va tapoter sur un ordinateur pendant 3 heures pendant que tu vas faire tout le tour du monde. Fais gaffe ! Soit séparer comme ça, par exemple. Ok, voilà. Et elle va me dire à la radio, rejoins-moi, c'est tout bon, moyen. Ça va. Merci. Un classique ! Je peux voir un autre chemin, je te rejoins. Voilà. Oui. C'est pire que je l'imaginais ici. Oui, ça a l'air tranquille de mon côté. Trouver un autre moyen de descendre sans te déconner. Bon, on va utiliser des munitions à gogo, j'en ai pas. Rien à péter. Normalement, il n'y a pas de prisonnier ici, on est d'accord. Ça va tenir. Essaie de pas y penser. Attends, je fais que du penser là. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Des crédits, si c'est des crédits, je prends. Et non, ça dégage. Allez, les nouvelles sont plutôt bonnes. Inventaire plein. Impossible de trouver une forge. Merde ! Tout va bien ? Ouais. Allez. Je t'ai dit de faire attention. J'ai rien fait. Ouais, je vois. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, je me chie dessus là. Ok. C'était un robot ça, non? C'est très bizarre. Mais qu'est-ce qu'un robot ferait là? Ça n'a pas de sens. Et en plus, il me semble qu'on peut pas les combattre. C'est très bizarre. J'aime pas trop ça. Ok, c'est parti. Ouais, ça se casse encore la gueule. Super. Je peux toujours pas courir, hein. C'est très bizarre. C'est très parti. J'ai trouvé une échelle. Je descends. Ok. Une putain de forge, les gars. Genre, donnez-moi juste une forge et vraiment, je suis heureux. C'est tout ce que je veux. Je vais être heureux. Et je pense que vous aussi, vous avez envie qu'on soit heureux. Donc, donnez-moi une forge, quoi. Par ici. J'ai trouvé l'accès de service. Ah, je te vois. Je t'ai vu. Allez, c'est pas si loin. Oui, attends. Je peux toujours pas courir, c'est un enfer. Oh. J'ai trouvé un glitch. Pas du tout. Dommage. Là, ils auraient pu mettre un beau truc, en fait. Un petit coffre, un petit truc sympa, en vrai. Hein. Il y avait un monde où c'était bien caché. Dommage. C'est, ça fait une sorte de passage un peu dissimulé. Totalement inutile. Plus que quelques pas. Je t'en supplie, arrête de décrire tout ce qu'on doit faire. Dépêche ! Jacob ! Je te tiens ! Allez ! Non ! Oh là.
Je préfère monsieur. Forge là les gars, abusez pas wesh. Non ? Ok, on peut toujours pas courir, c'est terrible, c'est bon. Eh ben. Les gars, ça fait presque un épisode entier qu'on peut pas. Piège ça. Ça, c'est pas du tout des pièges, hein. Ok. Allez, ça c'est fait. Il y en a d'autres. Des vraies patates, tu me mets. Le jeu il a pris une autre tournure là frérot. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok. Une petite forge? J'ai dit une petite forge? On peut passer là? Oh non, j'ai eu peur. De toute façon, on spawn ici. Hein. Bon. Oh, c'est chiant, les gars. Non, là, c'est chiant. Là, c'est très très chiant ce qui se passe. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, incroyable. J'ai testé au hasard. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, incroyable. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, incroyable. Ah oui. J'ai peur. Thank you.
la vache. Oh la vache. Oh, ils font stresser sa mère. Ok. Ok. Très bien. Et il y a aussi tout à gauche, hein. Il y a aussi le merdier là-bas, là, hein. Putain, c'est compliqué, ça. Je sais pas par où aller. Oh, mec, aussi. On aille à gauche ou à droite, c'est superbe. Bien, les gars. Don't make a sound. On a peut-être compris, là, non? On s'en va. Ok, pardon, excusez-moi. Je sais pas par où... Je suis désolé, mais... Là, c'est horrible, on a trop de parcours, trop de chemin... On va essayer de se caler à un endroit. Et on va essayer de le réussir. Bon, je dirais go là-bas. Hein, par chance, peut-être, quelque chose. Je ne sais pas. Allez. Eh ben non, on va s'arrêter là, les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. C'est bon, ça, save. Je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.